Salut tout le monde, vous êtes sur xboxlive.fr, c'est Lestat et SnakeX. Salut, salut. Et on se retrouve pour un test de Ghost Recon, Breakpoint. Breakpoint. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ouais, mais ça fait long en anglais et avec notre accent français, ça va pas le faire. Ouais. Et puis en plus, c'est la suite de Weedland. On va prononcer tous les mots anglais en français. Sorti le 4 octobre 2019, hein, c'est ça, dans toutes les bonnes crèmeries sur... toutes les bonnes crèmeries, ouais. PS4 et dans toutes les boutiques qui vont bien. PC, voilà. Et nous là, on est sur Xbox One X en 4K, s'il vous plaît. Voilà. Et donc là, tu viens de sortir du hub. Ouais, on est dans le hub principal. Alors, déjà, juste pour commencer, à quoi sert le hub? Parce que je pense que, c'est quelque chose complètement à part dans le jeu. En fait, le hub, oui, c'est un peu le. Pour si vous avez joué à The Division 2, c'est un peu l'idée des bases, en fait, dans lesquelles vous retrouvez. Un petit peu tout un tas de choses, des boutiques, des cartes en fait tactiques dans lesquelles vous allez pouvoir sélectionner des missions que vous allez pouvoir faire en solo ou en coop, et puis vous retrouvez l'accès à différents modes de jeu dont les modes multijoueurs dont on vous parlera tout à l'heure. Donc c'est pas un passage obligatoire quand vous avez terminé le jeu, mais par contre c'est obligatoire pour certaines missions du solo justement. Voilà. Donc là tu vas monter dans un hélico. Ouais. Donc, voilà, parle-nous un peu du solo. Donc le solo qu'on peut faire, qu'on peut faire en coop. Ouais, on peut le faire. Et c'est même mieux de le faire en coop. On peut le faire solo monde ou effectivement accompagné. Ah, t'as pas de jeu de mots avec coop. Non, c'est vrai. Non, c'est effectivement. La différence, en fait, si vous vous souvenez, dans le précédent Ghost Recon, vous étiez tout le temps accompagné en fait de trois copains qui étaient gérés par l'IA, et c'était une catastrophe en fait. Et donc du coup, ils ont réglé le problème. Ils les ont dégagés. Donc en fait, tiens, viens avec ton copain. Voilà, vous pouvez vous taper tout le jeu tout seul. Ça sera forcément un peu plus dur que si vous êtes accompagné, sachant que les missions restent les mêmes, hein, en solo. Que vous soyez accompagné ou que vous soyez 4. Par contre, la difficulté n'est pas la même. Là, on joue en standard, hein, pour les besoins de la démo. On va aller viser, on va essayer d'aller attaquer une petite base là, à 2 km, un objectif secondaire. Voilà, j'affiche le HUD qui n'est pas, pas du tout envahissant, hein, comme vous pouvez le voir. Bah, d'ailleurs, on nous conseillait plutôt d'y jouer sans. Ouais, mais je vais en parler. Il y a pas mal d'options de personnalisation différentes justement que vous pouvez pousser pour rendre très immersive. L'expérience de jeu. Et donc pour revenir sur le solo, effectivement, donc seul ou accompagné avec trois autres personnes, vous vivez pas vraiment la même chose. Et d'ailleurs, à tel point que Ubisoft a poussé le truc, vous avez carrément, quand vous jouez en multi, que vous cherchez une partie, attendez, je vous montrer ça tout de suite, vous avez accès en fait directement dans le salon. Quand vous voulez rejoindre une partie en matchmaking, vous avez carrément une option jeu de rôle. Si vous voulez jouer avec des mecs qui veulent vraiment se la jouer roleplay, c'est vraiment drôle. Moi je suis nomade, ouais, c'est un jeu de rôle, pas jeu de rôle. Mais effectivement, ça désolé, peut être. J'ai tellement envie de la faire. Ça peut être sympa en fait de se la jouer comme ça. Tiens, bon, on va en profiter pour monter la carte. Et puis peut-être parler un petit peu de l'histoire rapidement. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui dit solo dit histoire. Ouais, alors l'histoire elle est plutôt sympa. Elle tourne autour en fait des conséquences de l'opération Wildland. Donc pour ceux qui ont fini le premier jeu. Et dans cette opération, il y a un mec qui a pété les plombs. En fait, et qui est joué par John Bernthal, qui est le Punisher de Netflix, pour ceux qui ont vu la série. Donc là, il joue Cole Walker, et Cole Walker, eh ben, c'est un ex-Ghost Recon qui est devenu vraiment méchant, tu vois. Il a décidé qu'il allait basculer à l'ennemi, et en fait, il fait un coup d'état, il aide à faire un coup d'état sur l'archipel d'Oroa, qui est un archipel qui est vachement dangereux, parce qu'en fait, c'est sur cet archipel qu'on teste des nouvelles technologies, dont des IA de combat, dont des drones, etc. Et donc forcément, on a tout un panel de techno disséminés sur toute l'île et qui sont contre toi, et toute l'histoire dans le hub justement, il y a les survivants tu vas exfiltrer un certain nombre de personnes qui vont t'aider. Voilà. Je vais justement aller repérer et attaquer la base qui est ici, dans laquelle il y a un objectif secondaire. Alors pour les besoins de la vidéo, ce serait bien que tu te fasses pas tuer. Ouais, on va essayer, mais c'est compliqué c'est compliqué de se faire tuer en mode standard quand même, sachant que ça arrive, hein, parce que vous allez pouvoir voir comment l'IA réagit, mais globalement. D'ailleurs, ça fait partie des points faibles qu'on va noter d'ailleurs sur ce jeu-là. Ouais, en fait, l'IA ennemie, elle a tous les travers des IA en fait en monde ouvert.
C'est-à-dire que par exemple, bah, cette mission-là, je l'ai déjà faite, parce que le jeu a été terminé, on a repris une sauvegarde, on est à 15 heures de jeu à peu près. Ici, tu te pointes, tu te planques là dans la tour de guet et les ennemis vont arriver comme des crétins en masse et en fait ils montent pas l'échelle, ils restent en bas. Donc en fait les mecs étaient parqués là, je les ai tués à la grenade en fait en les massacrant. Donc voilà, donc après en fonction des classes de jeu on peut effectivement varier les approches, mais quand on est tout seul en fait on fait un petit coup de drone, on repère, sachant que. Alors attendez, je vais le faire juste pour la démo. Juste pour la démo, si regarde. Ah si c'est bien. Igné. Coucou. Voilà. Hop, mais voilà, et mon drone vient de se faire shooter. Donc là, ils sont en alerte parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y avait un drone. Par contre, ils savent pas forcément où je suis. Ils viennent d'appeler des renforts. Les renforts pouvant passer par des drones en fait. Et vous pouvez notamment, par exemple, voilà, faire ça et vous camoufler dans la boue. Alors je viens de me faire gauler. Donc là, il y a un mec qui a un mortier. Donc voilà, concrètement, ça va faire assez mal. Mais ils vont tous foncer en fait. Ils vont tous foncer sur la position. Voilà, il y a un sniper là-haut. Voilà, donc les gunfights sont plutôt dynamiques, on va dire plutôt bien fournis. Ça pète dans tous les sens. Et donc il faut quand même ruser, mais ça reste très bourrin dans l'approche. Hein. Quand vous êtes repéré en tout cas. Hein. Là, ça se trouve, petit lapin. Hop, vous pouvez voir que la visée, hein, elle passe en mode FPS hein, directement. Quand vous êtes attaqué. Je ne conseille pas de jouer comme ça, hein. Le mieux c'est quand même de jouer en se planquant, en allant tuer les mecs par derrière, en programmant des assauts, ce qui est très pratique avec les drones. Un peu plus en mode infiltration. Ouais, complètement, non mais là on va. Non mais là c'était pour vous montrer le drone. A noter que t'as pris un hélico, il y a plein de véhicules, 4 hein. Roues, bateaux. Ouais, il y a ce qu'il faut d'ailleurs, tiens, tu vois, il y a carrément un hélico là. Donc ça c'est normal. Il y a carrément un hélico. Quand tu traverses un arbre avec un hélicoptère, ah, oui, c'est oui. Normal. Bah tu te fais porter pas le vite après, hein, c'est t'exploses en l'air. Tu l'avais déjà fait celle-ci. C'est vrai, bah oui, mais je l'ai refait. Tiens, c'est plutôt joli de haut. Hein. Ouais. C'est plutôt joli. Ça a l'air quand même bien grand. Quand on a joué en coop, là, on avait fait un live. C'est vrai que quand tu commences à prendre un véhicule, alors, surtout un bateau qui est pas très rapide, bah, tu mets un petit peu de temps à traverser des petits bouts d'eau quand même. Ouais, sachant que je pense que la map est plus petite, en tout cas en impression, que celle de Wildlands. Et en plus, il y a une limite en fait, c'est que quand tu t'éloignes trop loin, t'as des espèces de drones qui te tuent. En fait, c'est une sorte de. Pour ouais, ceux ça change des murs transparents. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour ceux qui ont vu la cabane au fond des bois, c'est un peu ça. On peut pas sortir de la zone, il y a un truc qui te tue. Il y a plein de points d'interrogation sur la map, hein, on les voit en bas à droite, là sur la boussole. C'est des lieux à découvrir. Et dans ces lieux à découvrir, vous avez en fait parfois des caisses directement de matos. Tiens, bon, on va les voir. Ouais, alors. Il y a du loot un peu partout. Il y a du loot partout. Ouais. C'est le grand méchant loot, hein, comme on dirait. Il y en a vraiment, vraiment partout. Les loot ont des niveaux, en fait, qui s'adaptent au niveau de votre personnage, puisque vous gagnez de l'expérience. Attends, je vais essayer de me retrouver dans le menu qui est. Ça me dit quelque chose, cette interface. Ouais, t'as vu, c'est l'interface des jeux Ubisoft, en fait, de maintenant. Regarde, tu vois, la carte, en fait, elle est positionnée exactement comme dans Assassin's Creed Odyssey. Après côté voilà, t'as l'écran de mission en fait où vous avez la partie multijoueur avec le mode Ghost War dont on va parler juste après. Juste en dessous, là. Voilà, il y a là. Voilà. Cold Walker. Walker avec voilà. Les missions principales en fait. Il est du Texas. Ouais, exactement. Il est ranger. Tout à fait. Les missions, il est pareil, il est Ghost Recon. Moi aussi, je suis quelqu'un de très rangé. Les missions, l'écoutez pas, il dit des bêtises. Les missions que vous pouvez en fait épingler sur votre HUD et qui donc vont vous prendre beaucoup de place en fait directement. Et tout l'aspect personnalisation de votre ghost qui est pour le coup énorme, avec ici en fait des passifs que vous pouvez équiper qui dépendent en fait de votre classe de personnage. Et puis les armes que vous avez ici, donc deux armes principales, une arme de poing, voilà. Et bien entendu, chacune des armes peut être améliorée grâce à du matériel que vous ramassez. Et mais c'est pas un peu trop en fait. Grâce à du matos, bah non en fait moi je kiffe par exemple ça. D'accord. Je peux même modifier la peinture, voilà, de mon truc. Je peux, si je veux le peindre en rouge, voilà, mon silencieux, ou le mettre en vert, j'adore ça. Moi, par contre, je peux passer des heures, hein, à faire ça. Ouais, ouais, chacun son trip. Ouais. Ah, chacun son trip, exactement. Ouais, toi, voilà. Tu le mets dans les plus, moi, je le mets dans. Voilà. Mais regarde. Je le mets pas dans les moins, mais je le mets. Ouais, moi, tiens, regarde. Fais un sourire à la télé. J'ai envie de jouer, quoi. Fais un sourire à la télé. Regarde, tu le vois un peu. Fais un beau trou de balle, celui-là, tu vois. Donc, tu peux vraiment tout personnaliser. Non, ils ont poussé très loin. Bien sûr, le loot a des niveaux. Et les niveaux de loot, en fait, vous pouvez recycler, vendre les objets comme dans The Division. Ok. Voilà. Et là, bon, c'est les classes de personnages, effectivement, rapidement. Donc 4 classes.
quatre classes, effectivement. Médecin, ça parle tout seul. Assaut, c'est le truc du bourrin. Voilà, le panthère, c'est le fugitif, en fait, en gros, et le sniper qui est le sniper qui part tout seul. Vous avez des arbres de compétences après qui partent de ces différentes classes, sachant que vous pouvez tout jouer, hein. Vous pouvez switcher de classe à la volée. C'est la classe. Ouais, c'est la classe. Et bien sûr, en fait, tous ces passifs, il y a les compétences sont réparties en passifs ou en actifs. Les passifs, en fait, comme leur nom l'indique, sont passifs, et les actifs, en fait, doivent être mis ici. Vous avez trois maximum que vous pouvez mettre. Voilà. Avantage balistique, fine gâchette. Okay, exactement. Sachant que ce qui est sympa, c'est que par contre, quand vous jouez en joueur contre joueur, directement, bien, vous avez certains passifs qui sont désactivés. Et pareil, c'est gênant tous ces objets volants qui rentrent dans les arbres, hein, franchement. Exactement. Et puis ils sont non identifiés. Ici, j'essaie de repérer où ils sont. Voilà. Il y a des otages. Il faut savoir qu'en fait, il y a une multitude d'événements qui se passent sur la map tout le temps. Et vous délivrez des mecs, vous sauvez des otages, vous allez attaquer ou surprendre une conversation ennemie avec votre drone. Ça va vous donner des emplacements pour des caisses de munitions, pour des caisses d'armes, pour des plans, puisqu'il y a du craft aussi. Voilà, direct. Ouais, donc outre les missions, qu'elles soient principales ou secondaires, t'as une vie globale et permanente en fait sur la carte. Ouais, exactement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, sachant que les ennemis sont sensibles au son et au bruit de vos pas. Bon, voilà. Hop. Ben voilà. Je lui ai refait une gorge. Je sais pas si vous avez vu, j'ai gagné en bas à droite, là, sur la droite, des crédits scale, qui sont des crédits dans le jeu, qui vous servent à acheter les objets si vous n'avez pas envie de sortir votre carte bleue. Parce qu'il y a pas mal de microtransactions. Et ça, c'est peut-être un point qu'il faut signaler. Les microtransactions, c'est à la mode, hein, mais bon. C'est à la mode, mais c'est aussi à la mode de les rejeter petit à petit aussi. Comme enfin, Microsoft, Sony et Nintendo justement commencent un peu à limiter ces actes-là. Et là où Microsoft avait rajouté d'ailleurs dans leurs outils de développement des outils pour justement développer les microtransactions, ils sont en train de revenir un peu en arrière. Et ben en fait là, ce qui est sympa, c'est que les microtransactions, en fait, ce qui est sympa, on va dire que c'est la moindre des choses, les microtransactions, tu peux acheter directement des armes et débloquer, en fait, avancer plus vite si tu veux, pour pas te casser la tête à passer des niveaux, à débloquer tes armes si tu veux, grâce à du pognon réel, ok, d'accord. Pay to win plus vite. Non, du pay to débloque, parce qu'en fait tu win rien du tout à part le solo. En joueur contre joueur. C'est pas du win multi. Oui, mais voilà. Heureusement. En joueur contre joueur. C'est un raccourci pour terminer le solo, quoi. Ouais, ce qui est un peu con d'ailleurs. C'est comme si j'achetais un jeu et qu'en fait, tiens, lui il m'a entendu. Donc voilà. En fait, c'est comme dans Mario quand tu chopes le raccourci du niveau 1-2 vers 4-1, quoi. C'est exactement Mario, ça, voilà. J'ai terminé le jeu en 5 minutes. Aucun niveau. En joueur contre joueur, l'équipement est normalisé. Donc tu peux pas tricher là-dessus. Ce qui est plutôt dans les différents modes. Donc là, bon, on a vu, on a vraiment le mode campagne. Ouais, je joue juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Après, on a le mode multi. Exactement. Donc là, le mode Ghost War. Alors le mode Ghost War, c'est le mode, on va dire, c'est le PVP, quoi. C'est pure PVP, 4 versus 4. Exactement. On peut choisir sa classe. Ouais, tout à fait. Et comme tu disais, elles sont normalisées. Voilà, elles sont normalisées. Et puis, c'est plutôt bien foutu. Parce que derrière, en fait, c'est sympa. Parce qu'en fait, c'est de la chasse, quoi. Les 4 joueurs chassent les 4 autres. Je t'avoue que quand t'es snipe, t'as des bonus de repérage et tout ça. Et donc, du coup, t'es quand même pas mal avancé. Alors voilà, je vais me faire tirer dessus. En fait, je vais essayer de me faire blesser. J'ai une barre de vie à 3, là, vous voyez. J'ai été blessé. En fait, en bas, j'ai été blessé. Vas-y, tire-moi dessus encore. Allez, mais tire-moi dessus. Ouais, voilà. Voilà, donc là, je vais le tuer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a un aspect survie. Donc, mon perso, en fait, il a été blessé, mais là, je remonte direct la barre de vie. J'ai pas été blessé suffisamment. Quand t'as été blessé suffisamment, ton perso il commence à avoir les blessures apparentes, il boite. T'as des traces sur le pantalon. Et tu dois te soigner grâce aux seringues et aux bandages. Et donc du coup, faut bien se mettre à l'abri pour pouvoir. Oui, parce que ça prend quelques secondes quand même. Quand tu te soignes avec les bandages, ça prend du second et puis il y a un cooldown derrière. Il y a un cooldown effectivement.
Donc ouais, faut faire gaffe, il y a de l'eau potable aussi. Ton endurance, en fait, ton endurance va baisser, faut que tu boives ta flotte. Voilà, là, tu vois, là je viens de trouver une arme qui fait plus 10 en fait par rapport à l'arme que j'ai en attaque. D'accord, mais quand tu bois de l'eau, c'est uniquement pour remonter ta vie, quoi. C'est pour remonter ton endurance et Ah oui, d'accord. effectivement, ouais. C'est ouais, il n'y a pas d'impact, hein. Tu peux passer tout le jeu sans boire, hein, si tu veux. Hein. C'est pas. Ce Voilà. sont balèzes quand même. Ouais, non, ils sont assez forts, c'est les Jack Bauer. Tu sais, en 24 heures, tu bois pas un coup. Là, j'ai débloqué une nouvelle arme. Il y a un paquet d'armes différentes. Et là-bas, tu vois, il y a un petit i parfait. Mais ça, si vous avez joué au premier, vous connaissez. Ça va me permettre en fait de choisir ce que je veux dévoiler sur la map. Ah non, grimper, non, enquêter. Voilà. Donc je laisse enfoncer. On retrouve la petite animation avec le téléphone portable. Clic, clic. Et alors, est-ce que je veux trouver un bivouac? Alors, ça, c'est une des nouveautés, le bivouac, hein. Bivouac qui te permet en fait d'aller cuisiner, d'aller faire du sport, d'aller t'étirer, de gagner un bonus pendant un certain temps. En fait, t'es en train de dire que c'est la version réaliste de Zelda Breath of the Wild? C'est un peu ça en fait. Dans l'idée, on retrouve un peu de Breath of the Wild, effectivement, puisque tu vas en fait dans tes campements, tu peux choisir si tu veux manger. Là, tu gagnes des bonus par exemple de résistance aux blessures. Si tu veux t'étirer, du coup, tu gagnes un bonus d'agilité et donc d'endurance. Si tu veux faire plein d'autres trucs, quoi, voilà. Donc t'as des comme ça des perks en fait en plus. Ok. L'avenir du jeu, pas mal de petites choses a priori, donc ça a fonctionné. Alors là, on parle pas de saison, on parle d'épisode. Ah, Ça attends, change tout. on parle pas de Assassin's Creed, on parle de Ghost Recon. Voilà. Donc je sais pas si on peut voir rapidement dans les menus, Bien il y a sûr. déjà, hop, Qu'est-ce que tu veux dans aller voir? Dis-moi. les raids pour Je l'instant suis qui à sont toi. bloqués, et juste Ouais. qui devraient arriver. Alors les raids, hein, c'est du joueur contre joueur, mais enfin c'est des missions pardon coop plus balèzes, on va dire. Ouais, Hein. voilà. Voilà. Si elles sont pas bloquées, les missions de raid, hein, Ah non, tu pardon, peux ils y sont. accéder, mais par contre il te faut un niveau d'équipement en fait sur cette Voilà. partie-là, c'est pas possible. Mais en fait ton niveau d'équipement est déterminé par le niveau de tout ça. Voilà, tu vois, regarde. T'as des niveaux en fait sur tes équipements et tu peux y accéder directement. Je vous montre juste, hein, c'est un peu le fouillis leur HUD, hein. Enfin leur interface de mission. Ah, moi je trouve c'est un peu too much là. Bah ouais, parce qu'en fait tu t'y perds un peu. T'as les missions principales et secondaires de l'histoire, les missions de faction qui te permettent d'améliorer la base, de protéger les civils, de débloquer en fait voilà, ce qu'on appelle des récompenses de combat parce que vous faites ces missions. En fait, voilà, de faction. Sachant que là aussi, hein, on est acte 1, il y a 53 En jours, fait c'est c'est un bien, peu. tu peux passer autant de temps dans les menus que dans le jeu en fait. Oui, c'est en fait, là, c'est une sorte de saison. En fait, pour ceux qui ont joué à Diablo, ça ressemble un peu à ça, quoi. T'as des récompenses quand tu fais un certain nombre d'actions dans le jeu qui sont Donc là, demandées. dans ce qui est à venir, donc c'est du contenu à peu près tous les 4 mois, Ouais. du moins pour la première année. Il va y avoir un suivi, bah, en fait. Voilà, donc 3 épisodes sur un an. Donc on aura des nouvelles, des nouveautés pour l'histoire principale. On va avoir du contenu endgame aussi. Sachant que le jeu est déjà très long, hein. Il Ouais. faut compter une bonne trentaine d'heures pour boucler la campagne principale. Ouais. Il va y avoir aussi des nouvelles missions pour les factions. Ouais. Voilà. Des nouvelles classes. Ah, Ouais, cool il n'y en ça. aura pas que 4, dont l'ingénieur. Sachant que les différences entre les classes sont pas non plus faux folles dès l'instant où tu peux switcher de l'une à l'autre et que finalement tout le monde peut utiliser les mêmes armes. Ce qui va changer, c'est encore une fois les compétences propres à chaque personnage, comme les balles blindées en fait pour le sniper par exemple. Il va y avoir des nouveautés pour le PVP, il va y avoir des événements. Voilà, enfin pas mal de contenu à venir en fait sur les 12 mois, dans les Bah, de 12 toute façon, on voit prochains mois. vraiment qu'Ubisoft Ubisoft anime maintenant ses jeux de la même manière que. Enfin, ils sont tous animés de la même manière, je veux dire. Et on est sûr d'avoir du contenu, quoi qu'il arrive, quoi. Sauf Assassin's Creed. Bah, il y a quand même eu un paquet de DLC sur Ouais, une Assassin's paquette Creed. DLC, mais c'est pas, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de choses Non, comme c'est ça. vrai. Voilà, c'est. Alors, si, il y a des événements, il y a des missions particulières qui se débloquent à certains moments particuliers. Ouais. Ah, et oui, ça reste des événements. Ça reste des événements, on est d'accord. Ça reste des événements. Tiens, je vais me faire un saut en parachute. Juste comme ça, parce que j'ai envie. D'accord que théoriquement cette hauteur-là. Ouais, bah, je m'éclate la gueule. Hein. Voilà. Il est pas super maniable, hein, le parachute. Hein. Ah bah, bruit suspect. Bah oui, il y En a un fait, hélico qui vient de se crasher, c'est sûr. quand Tiens, il y a un bivouac, en fait. on avait fait un hélico déjà ensemble, on a l'impression aussi qu'on est un peu pendu à un fil en fait. T'as un peu cette impression d'être un balancier en fait. C'est pas faux. Tiens, regarde, regarde. Pouf! C'est lui qui avait son pote qui était Dans à le côté. dos, franchement, ça se fait juste pas quoi.
Ouais, je sais bien, c'est pas. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Tiens, on va s'arrêter au bivouac hein, pour terminer. Hop, comme ça, je vais pouvoir vous montrer le bivouac. Est-ce que vous pouvez y faire le bivouac hein, qui. Voilà, on déploie le bivouac, on s'assoit, on débloque. Il manque l'aigle qui tourne autour pour faire synchronisation. Et c'est. Voilà, ça va plus vite. Hop, on s'installe, on monte la tente. Une petite animation sympathique, ça, y a vraiment une dimension réaliste hein, qui est assez poussée. Vous pouvez customiser toute l'apparence de votre perso, hein, les peintures, les tatouages, les brûlures, les machins. Et là, en fait, dans mon bivouac, j'ai le choix. Un petit côté Tomb Raider, je trouve. Ouais, c'est Avec mon ton perso. personnage qui est comme ça, mais parce que je l'ai créé comme ça. Tu peux commander des véhicules, tu peux acheter des objets, voilà, directement. Hein, les microtransactions hein, sont partout. Alors là, non, c'est de la transaction avec de l'argent, les skills. C'est l'argent que je gagne en jeu. Par contre, les ghosts là, c'est l'argent que je paye avec ma carte bleue. Et voilà. Donc, vous noterez que voilà, pour les besoins du truc, on n'a pas, on n'est pas allé. Par contre, tiens, on va s'acheter un super couteau. Hop là, voilà. Pour Tac. caresser les coups, il a l'air d'être bien celui-là. Les Bien coups, tu arrondi. veux dire? Les coups. Non, Ouais. les coups. Coups. Les Coucou. coups. La fabrication, je peux, tu peux crafter en fait crafter des objets. Et puis, voilà ce que je te disais, la préparation. Tu peux en fait, si tu manges, tu résistes aux blessures. Si tu t'hydrates, tu résistes à l'épuisement. Tu peux augmenter la résistance de la vitesse de ton drone. Tu peux t'étirer, avoir de la vigueur. Voilà. Les petits bruits qui vont bien. Ouais. Pardon. Par contre, tu peux pas te mettre plusieurs perks. Hein. C'est un à la fois. Et préparer tes techniques en fait. Donc. Changer ta classe, changer ton perso, enregistrer tes pré-réglages, etc. Donc le bivouac, c'est vraiment c'est ton centre névralgique, puis après tu peux partir à l'heure que tu veux en fait. Je lève le Bon, là, camp. clairement, un jeu comme ça, il est pour quel type de joueur? Pas forcément casual. Bah tu peux te le traverser en casual hein, si tu veux, hein, franchement, voilà. Ouais, mais est-ce que tu peux prendre le jeu, y jouer 15-20 minutes, passer à autre chose? Ouais, parce qu'en fait tu consommes assez vite si tu veux par exemple prendre la carte et aller explorer des petits points, t'auras toujours des trucs à faire. D'accord. T'auras vraiment toujours des trucs ouais, des trucs à faire, à découvrir. Tu vois, les missions principales, elles durent allez, peut-être 20-30 minutes, pas plus. Ça va assez vite hein, quand même. Hein. Ça va assez vite. Et donc ouais, tu peux vraiment faire tu peux vraiment faire de la consommation rapide. Tu vois, voilà, en plus c'est bien foutu sur la carte, à chaque fois tu as le nom de mission principale que tu as activé, le nom d'objectif que tu peux remplir. Pour les factions, tu vois, regardons là bien en bas à droite, là, Ouais. ici, il y a une mission de faction, une mission principale, quatre objectifs à réaliser. Ouais. C'est plutôt bien fichu. C'est chargé, hein, l'interface elle est chargée, mais par contre on y retrouve tout. Ouais, Peut-être t'as toutes les infos. finir par la partie technique, donc, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai. Mais on peut éventuellement aborder ça dans les plus et les moins. Oui, c'est vrai, Donc tu as voilà. tout à fait raison. Donc, on va quand même passer au verdict. Ouais. Bon, les plus et les moins. Bon, dans les plus, clairement une carte grande. Diversifié. Ouais, diversifié, hein. T'as de la neige, de la montagne, t'as du marais, du bayou, c'est plutôt bien fichu. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de relief. Beaucoup, beaucoup de relief, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien quand il y a du relief. Voilà, un bon PVP. PVP est très très sympathique, ouais. Et puis surtout, il est déjà accessible et accessible immédiatement. Et tu te prends pas la tête 10 ans à chercher une partie. Après, vu que c'est normalisé, ça doit être quand même beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus égalitaire, on va dire. Égalité, ouais. Ça évite de se prendre des grosses fessées dès que t'arrives, alors que t'as acheté le jeu un mois après, quoi. Exactement. Un solo plutôt bien pensé. J'aurais une petite préférence pour les gens en coop. Le solo effectivement est bien pensé et ouais plus ou moins en coop. Ouais, pour vraiment bien s'éclater plus ou moins en coop. Bon, j'ai bien compris que dans tes plus il y avait toute la partie loot et personnalisation. Ouais bah il y a de quoi faire, hein. On est vraiment dans un aspect RPG poussé, tu gagnes de l'expérience, tu lootes un paquet de choses. Dit-il en massacrant un mec. L'animation était vraiment foireuse par contre. Tu lootes effectivement un paquet d'équipements en plus qui se voit tout de suite sur ton perso, donc ouais non c'est bien fait. Par contre tu vois t'as des invraisemblances, par exemple ma casquette de baseball en fait elle est plus que mon bonnet, mais peut-être que quand j'aurai gagné un niveau je Tu sais gagnerai. pourquoi? Ouais Non, vas-y. mais c'est totalement compréhensible. Sur la cascade derrière, t'as une boucle métallique qui peut dévier les balles. Elle arrête les balles, Ah oui. c'est ça. Ouais, alors tu vas m'expliquer par contre pourquoi est-ce que j'ai pas pu. Voilà, tu vas enquêter là, j'ai libéré, je vais. Voilà, je gagne un truc. Pourquoi est-ce que par exemple le casque en Kevlar il est moins performant que ma casquette de baseball quoi. C'est du Kevlar low cost. C'est du. Ouais, c'est ça. Ah ouais.
C'est du Kevlar extrêmement low cost. C'est je plus pense fin que le tissu, qui finalement est plus résistant parce qu'il en fait c'est du tissu à base de coton de Kevlar. C'est bon, maintenant que t'as bien raconté tes conneries, on peut peut-être continuer. Voilà. Bon, on a parlé du solo, mais de la partie vraiment histoire. Dans la continuité de Wildlands, et puis je trouve qu'ils ont bien rebondi en fait. Il y a beaucoup plus de cinématiques, hein, c'est beaucoup plus scénarisé. Ouais, c'est moins open world avec option histoire. C'est ça. Là, l'histoire, elle est. J'y vais vraiment en mode nawak. Hein. L'histoire est quand même sympathique et ouais, elle interroge sur les IA et tout ça, et sur la technologie. Bon, un peu, on va dire, comme d'habitude. Hein. Le son. Ah, la partie sonore, elle est démente par contre. Hein. Le son des armes, le son des ennemis. D'accord, on sait vraiment du jeu soit avec un méga bon système synchro, soit un très bon casque. Ouais, au casque, c'est vraiment du bonheur. Ouais. D'autres plus ? Non, on est bien ? Non, on est pas mal là, dans les plus, ouais. Les moins ? Alors les moins, on les partage pas forcément tous les deux, mais... Alors déjà l'IA. C'est ouais, bon, l'IA, bah, gestion, ça se voit ici. Hein. Ah, tu vois, là, voilà. Déjà avec le mec tout à l'heure, Philippe courait autour et tirait pas dessus, quoi. Enfin... Ouais, le gars me tirait pas dessus, c'était... Il y a plein de bugs comme ça d'IA, et puis les mecs foncent vraiment, hein. Les mecs foncent vraiment comme des imbéciles, dans la gueule du loup. Les manœuvres de contournement, c'est trop compliqué pour eux, hein. C'est très très rare, faut qu'ils soient vraiment très nombreux pour faire du contournement. Par contre, ils te repèrent parfois super loin. Ouais. Alors voilà, tu vois, tiens, regarde, en bas à droite j'ai une barre rouge, j'ai été blessé. Donc pour me soigner, soit j'utilise une seringue, soit je vais me planquer, voilà. Bon, et après on avait le dernier moins qui était la partie technique. Ouais, la partie technique, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Hein. Très, très concrètement, il y a vraiment à boire et à manger. Tiens, bah, c'est bien, je vais me soigner dans le mortier qui va tomber. Ah non. D'accord. C'est juste à la ligne. Je trouve que les animations sont très bien faites. Les modèles de personnages sont bien foutus. Par contre, ça, je trouve ça terne, en fait. Ouais, effectivement, il y a un petit côté terne. Après, je trouve que c'est quand même pas mal détaillé. Là, tu regardes, il n'y a pas un arbre qui ressemble à un autre. La végétation, elle bouge. Enfin... On est sur un monde ouvert, quoi, donc c'est pas je trouve que techniquement, pour un monde ouvert, il y a quand même beaucoup plus consommateur de performance qu'un raid shooter ou ce qu'on veut d'autre. Je trouve bien que, après, effectivement, comme on le disait en off avant la vidéo, on n'est pas au niveau d'un Assassin's Creed. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je sors d'une centaine d'heures sur le Assassin's Creed Odyssey. Et Assassin's Creed Odyssey, il est. Je le trouve magnifique. J'ai pas eu l'effet waouh, quoi. T'es en train de dire que l'environnement de la Grèce est plus sympa et plus chaleureux que l'aspect un peu plus colombien de cette île. Exactement. c'est ça. Ah, t'as vu, regarde le mec qui m'attaque, je suis encore. Voilà, ça y est, quand même, je suis mort. Tu vois, donc quand tu veux conclure la vidéo, c'est bien. Exactement, mort au combat, en fait tu respawn au précédent checkpoint, on va dire, avant d'attaquer la base. Sur la partie technique, il y a un truc quand même, c'est 4K en mode résolution, priorité au graphisme, c'est 4K, ouais. 30 FPS. Ouais. Et dès l'instant où tu passes en mode, on va dire, résolution. Ça doit être un mode performance ou un truc comme ça. Ouais, mais mode performance. Dommage, on peut plus les voir dans le menu. Voilà, tu es à 60, mais par contre une résolution qui est plus basse. Bah voilà, c'est encore moins beau, on va dire. Non, en fait voilà, on a le choix entre fluidité ou t'en prends plein la tronche, quoi. Ouais, moi j'attends la console qui te fera du 4K natif en 60 FPS voire plus. Rendez-vous dans un an. Dans un an, ouais. Sauf qu'on va nous vendre de la 8K à 30 FPS ou de la 4K à 60. On aura toujours le dilemme entre les deux. Cet HUD magnifique qui prend la moitié de l'écran. Vous pouvez personnaliser tout ça, hein, et virer tout. Ouais, virer on peut le supprimer. Ouais, tu peux tout supprimer. Et d'ailleurs, il y a un mode guidé et un mode. Je pourrais en parler pendant des heures du jeu. Mais ouais, c'est bien ça. Pour finir ma phrase. Sur les commentaires, je veux finir ma phrase. Il y a un mode guidé où il y a un mode où tu es complètement en exploration, c'est-à-dire qu'en fait, on te vire complètement le HUD et t'as même pas les marqueurs d'objectif. C'est à toi de te débrouiller. C'est bien ça. Ouais, quand tu veux jouer en roleplay avec tes potes, c'est plutôt pas mal, ouais. Bon, ta note. Est-ce qu'il faut que je suis obligé de mettre une note, en fait. Ouais, t'es obligé. Ouais. Sur 10, sur 20, ou je fais comme à l'école, sur je 10, mets des smileys. Sur 10, n'insiste pas. Sur 10, franchement. Un 7+, c'est possible. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tu veux demander une note sur 10? On mettra 7 quand même. Si je devais écrire le test, effectivement. Il n'y a pas de demi-point. Je serais sur 7. Mais c'est un jeu, je m'amuse bien. Je pense qu'on peut y jouer à plusieurs. Par contre, j'ai peut-être un petit air de déjà vu.
Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez redondants, assez courts. Ça reste quand même un jeu très sympa, et surtout par rapport au précédent, c'est une bonne évolution qui va être bien plus subie en fait que le précédent. Ah, moi je trouve le faire carrément plus intéressant. Ah bah si vous avez aimé Wildlands, il faut foncer sur Breakpoint. Si vous n'avez pas aimé Wildlands, par contre n'achetez pas Breakpoint. Enfin, si, achetez-le peut-être justement, comme il est mieux. Oui, il est mieux, mais vous allez y retrouver quand même pas mal d'éléments. Ouais, après, ouais. Ils sont connus, pour ceux qui sont vraiment hésitants et qui sont pas pressés, il y aura toujours des périodes d'essai gratuites comme là. Exactement. Comme là on voit pour The Division 2 ou d'autres jeux comme ça. Donc, vous aurez quand même l'occasion de tester. Sinon, vous allez sauter chez Xbox Live. Exactement, bah, je t'ai donné d'ailleurs ton adresse à la fin de la vidéo. Ah. Je crois que la vidéo va couper. Exactement. Bon, écoutez, voilà, c'était le test de Ghost Recon. Tu vas pas y arriver. De Ghost Recon Breakpoint. Bravo, bien dit. Quasiment du point. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Posez des questions si vous avez des questions. Voilà. Comme toute vidéo qui se respecte, cliquez sur j'aime, pouce qui se lève, on s'abonne. On partage, on like. On partage, on like, on RT. Voilà. Si vous dislikez, le dites pas. Et puis, voilà. Par contre, on vous balance direct. Ouais, exactement. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt. Merci à bientôt. De nous avoir suivis. Bye bye. Et puis, on va faire une cascade pour finir. Voilà. Vas-y, attention. Cascade. Bah non, pas cascade. C'était le fail de la vidéo de fin. C'est la moto. Ah, voilà. Tu vois pas le parachute. Et si. Mais non. Et si. Mais non. Mais si. Bim. Voilà. Hop. Magnifique atterrissage. On vous laisse. À bientôt. Ciao. Allez, ciao.